avec moi, bismillah, s'il vous plaît. Bismillah. Et vous avez qui ça? Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé, ça. Et vous avez qui ça? Ça, c'est mon bébé. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti aujourd'hui pour un petit outfit du jour. Donc là, je viens d'aller déjeuner chez Babel Mansour. Franchement, les filles, c'est trop bon. J'en profite pour vous montrer ma petite tenue en attendant la voiture. Donc, alors, je porte une tenue de chez Zara. Donc, le top, c'est un Zara, mais c'est l'année dernière, les filles, je l'ai pris. Bleu comme ça, il est trop beau. Un petit sac LV. En lunettes, les filles, c'est des Louis V. Avec les piscines comme ça, elles sont trop, trop belles. Franchement, j'aime trop. Ma petite montre de chez Maison Zeltes, comme d'hab. Pantalon Zara. Trop beau. Et au pied, les filles, j'ai mis mes Hermès. Est-ce que vous aimez ou pas? Moi, j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et voilà. Bisous, mes stars. Non, les filles, moi je serai pas là pour le tournage à Yousra. Franchement, je suis trop dégoûtée, mais en fait, j'ai pas pu, je pouvais pas y aller, les filles. Donc, je serai là pour la. Si elle fait une deuxième saison, genre, je serai là. Mais en tout cas, j'ai trop hâte qu'elle fasse ça. Je serai la première à regarder, genre vraiment. Donc, franchement, je suis trop contente pour elle. Et mais voilà, les filles, non, je serai pas là. C'était prévu que je sois là, mais finalement, je ne pourrais pas. C'est pas grave, les filles, la prochaine fois. Je vous dis la prochaine fois, je serai là. À la deuxième saison, les filles. Bon, les filles, sinon là, je suis en train de préparer mon voyage. Franchement, les filles, je suis trop contente. C'est une destination que j'ai toujours voulu faire, que j'ai toujours rêvé faire. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Bon, je n'ai pas pris mon billet parce que moi, vous savez, vous me connaissez, les filles, maintenant, je pense. Je prends toujours mes billets la veille pour le lendemain. Déjà, j'ai fait un commande chez In. Pour m'acheter tout ce que j'ai besoin, en plus avec mon code promo, bah, ça va me faire une petite réduction, donc c'est trop bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc je vais voir là, je vais me prendre plein de tenues, plein d'accessoires, plein de maillots et tout. Franchement, j'ai trop hâte. Et voilà, donc, je vais faire une big commande là. Et en plus, à Dubaï, les signes, normalement à Dubaï, on reçoit hyper rapidement. Genre, je crois en 4 jours, on reçoit les commandes. Normalement, parce que je sais que j'avais commandé l'année dernière et j'avais reçu hyper rapidement ma commande, j'étais choquée. Donc voilà. Donc je vais me faire une big commande là. Faut que je regarde, faut que je me pose sur mon tel, que je regarde tout ce que j'ai besoin. Mais en tout cas, j'ai trop hâte, les filles. J'ai trop hâte. De toute façon, je vous ai dit, à chaque fois que je fais des lives, je vous en parlais, je vous ai dit cette année, les filles. Enfin, l'année prochaine en gros, parce que là, c'est l'année finie. Mais je vais faire plein de voyages. Je vais me renommer Globetrotteuse, clairement. Cette année, les filles, je vous ai dit, c'est mon année, c'est... J'ai trop hâte. Donc franchement, je suis trop contente. Et voilà, quoi, les filles. Là, je vais aller laver mes cheveux parce qu'ils sont sales. Je vais aller au coiffeur en bas de chez moi. Donc ça, je les lave. Et après, je rentre à la maison. Hein. Donc voilà, les filles.
C'est qui a fait ça, Imran? Kaysan. Mais c'est trop trop beau ce qu'il a fait, Kaysan. Oh, c'est vraiment magnifique. J'aime trop. T'es sûr c'est Kaysan qui a fait ça? C'est toi, Kaysan, du coup, qui a fait cette merveille-là? C'est Kaysan. Mais c'est trop beau. J'aime trop. Franchement, c'est beau ce qu'il a fait. J'aime trop, trop, trop. Je suis trop contente. Franchement, regardez comme c'est trop beau les signes. Je vous montre aux filles, ok? Je peux? Mais du coup, c'est Kaysan ou c'est toi, mon cœur? Kaysan. T'es sûre? Oui. Mais c'est vraiment beau, hein? Vraiment beau. Ben oui. Mais t'es sûre que c'est pas toi, mon cœur? Non. Celui qui a fait ça, je vais lui donner un big bonbon. Hein? Du coup, c'est qui l'a fait, du coup? Kaysan. Les Sila, on va avec Imran à Franprix parce qu'on va faire des crêpes pour le goûter. Imran, il voulait des crêpes. Du coup, j'ai pas d'œufs et j'ai pas de lait. Donc, je vais acheter après. On monte, on fait des petites crêpes. On goûte. Après, eux, ils vont au parc et moi, je vais faire mes cheveux. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Ce soir, je vais faire un gratin de chou-fleur avec du poisson pour les petits. Moi, les filles, je suis à la diète. Donc, je vais me faire une salade avec du poisson blanc. Là, je vais acheter du lait pour faire mes crêpes. Je vais acheter du lait comme ça. Imran, je suis là. Hein. Répète ce que tu viens de me dire là. On veut faire des dégustations et sur grain. Donc en fait, je lui explique. J'ai dit à Imran, pourquoi tu as pris tout ça? Il a dit qu'il veut faire des dégustations. Mais tu te prends pour qui en fait? Parce que sur grain. Mais pourquoi tu as pris tout ça? C'est beaucoup tout ce que tu as pris là. Je t'ai dit un truc. C'est n'importe quoi. C'est parti. Viens, Kaysan. Toi aussi. Toi aussi. Viens. Mais lui, c'est comme Iran. Non, mais Kaysan. Alors, c'est parti. Donc là, on fait des crêpes avec mes fils. C'est à cause des crêpes. Oui. Okay. Alors, du coup, oui. Maintenant, il me reste, les enfants, il faut mettre le lait. Okay. Vas-y, tiens avec maman le lait et on le verse. Ok, 1, 2, 3. Il faut mettre 600 grammes. C'est bon. Très bien. Oui. Ensuite, faut mettre la farine. Alors, la farine, elle est là. Avec des cuillères. Non, pas besoin. Viens avec maman. C'est comme ça. Merci. Toi, Kaysan, tu vas mettre les œufs après. Vas-y, Imran, allez. Je mets les œufs. Non, là, on met la farine. Ok. Oh, non, bug mon truc, je crois, les signes. Normalement, c'est bon. Ah. Ensuite, 4 œufs. Allez, vas-y. Tiens. Tu sais comment on fait ou quoi? Oui. Tu le casses. Et là. Oui. Vas-y, encore. Léci, je vous ai fait plein de vidéos sur TikTok. Une vidéo avec Imran qui parle anglais, où il te fait les phrases et tout, il est trop beau. En gros, je lui dis les phrases en anglais et lui en français et lui les dit en anglais. Et je vous ai fait aussi un retour de course. Je sais que vous aimez bien. Donc allez la voir, Léci, vous me dites si vous trouvez ça cher ou pas. Genre pour tout ce que j'en ai eu, si vous trouvez ça cher ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas encore sur TikTok. Comme je disais la dernière fois, je suis très active dessus. J'aime trop, trop, trop. Donc voilà mes stars. A tout à l'heure mes fils, go le park. Regardez, Imran, comment il va vite avec sa trottinette de Lamborghini. Dis-leur, ma trottinette, c'est Lamborghini. J'ai pris les meilleurs shampoings du monde et là je vais au coiffeur. C'est parti.
Ça sent trop bon. Ça sent le melon laissé. Vraiment la nouvelle gamme. C'est une tuerie. De toute façon, je vais vous montrer, vous allez voir la brillance. Incroyable ici. Et je jure, l'odeur, c'est un truc de fou. Donc là, on lave. Et après, on met le masque. Ensuite, ici, on met le masque qui va rendre les cheveux trop, trop doux, les cheveux. Trop doux, trop brillants. You like my shampoing? Yeah, it's very nice. Very nice. Yeah. Put the conditioner on your desk. Yes. Come on. Thank you. Regardez comment ils sont brillants, hein, genre. Et comment ça sent trop bon. J'aime trop. Thank you. Thank you.
Star. Est-ce qu'on en parle de mes cheveux, s'il vous plaît? De la brillance, de la douceur. Franchement, les images, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Dinguerie. Hop. Et c'est les nouveaux shampoings, les cils de chez IMPR. Vraiment, les cils. Déjà, avec la gamme avant, la gamme bleue, elle était incroyable. Vraiment, elle était incroyable. Elle sentait trop bon. Elle faisait des cheveux amazing. Mais les cils, la gamme rose, je vous le dis, c'est une dinguerie. Regardez, mais... Non, mais les filles, regardez la brillance de mes cheveux, s'il vous plaît. En fait, les filles, cette gamme, elle est faite à base de biotine et d'acide hyaluronique pour un effet glossy et restructurant. Donc, franchement, elles sont trop bonnes, les filles. Ça sent le melon. Vous allez avoir les cheveux qui sont super bons. Et dès la première utilisation, vous allez avoir des cheveux, les filles, tellement brillants. Tellement incroyable. Vraiment, les filles, je suis trop contente de cette nouvelle gamme. Je pense que ça va devenir vraiment ma number one. Regardez-moi, les filles, cette brillance. Oh, eh, mais vraiment, là, elle nous a fait une dinguerie. Hein. Franchement, là, elle nous a fait une vraie pépite. Et en plus, les filles, j'ai moins 50%. 50% sur le site, les filles. Donc, je vais vous mettre mon code, c'est Yasuk50. Profitez-en. Et franchement, les filles... Non, mais... Incroyable. En plus, mes cheveux, ils ont grave poussé. Donc, je suis trop contente. Je vais vous montrer de dos. Trop, trop canon. Je suis trop contente. Les filles, ce soir, c'est gratin, chou-fleur avec des pommes de terre, hop, et du poisson pour les enfants. Les filles, mon truc du moment. Parce que là, vous savez, les filles, je suis en régime. Là, ça y est, je me suis motivée. J'ai déjà perdu 1 kg d'ailleurs. Regardez ce que je mange. Mon truc du moment que j'aime trop, les filles, que je fais que manger ça. Je sais pas ce que j'ai. J'aime trop les trucs genre vinaigris là. Enfin, les trucs genre acides. Ça. Et ça. Parce que ça aussi, du coup, c'est baigné dans le. Dans un truc acide. Est-ce que je suis folle, les filles? Moi, j'ai des envies comme ça. Trop bon. Je jure, c'est trop, trop bon. Voilà, c'est mon truc du moment, les filles. J'aime trop. J'aime trop, 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 trop. C'est trop bon, les corrections. C'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, des petites épices, sel, poivre, herbe et du citron. Et là, on va le mettre à cuire, les filles. C'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, des petites épices, sel, poivre, herbe et du citron. Et là, on va le mettre à cuire, les filles. C'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, des petites épices, sel, poivre, herbe et du citron. Et là, on va le mettre à cuire, les filles. C'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, des petites épices, sel, poivre, herbe et du citron. Et là, on va le mettre à cuire, les filles.
c'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, des petites épices, sel, poivre, herbe et du citron. Et là, on va le mettre à cuire les chiens. C'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, des petites épices, sel, poivre, herbe et du citron. Et là, on va le mettre à cuire les chiens. C'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, des petites épices, sel, poivre, herbe et du citron. Et là, on va le mettre à cuire les chiens. C'est mon poisson que j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive. Bon, mes stars, mon repas de ce soir, poisson comme ça, poisson blanc. Trop, trop bon. Mmh. Et puis, je suis au régime, là. Je me suis grave motivée. Le soir, j'essaie de ne pas manger de pâtes, pommes de terre. Je fais un gratin aux enfants, mais je ne l'ai pas mangé. Il est trop bon, mon poisson d'été. Alors, c'est une tuerie. Alors, ma salade, laissez. Ma salade, c'est une dinguerie. Les filles, dedans, j'ai mis concombre, feta, pommes de terre, olive noire. C'est une tuerie. Marine, t'as aimé la salade? C'est bon? C'est bon. Mange, mange, mon corps, mange. Mange le poisson. Marine. Mange le poisson, mon corps. C'est bon le poisson. Le poisson, ça fait grandir, mon cœur. Ouais, tu vas devenir un rajol avec le poisson. Un grand, grand rajol. Donc le poisson, il faut en manger très souvent. Et pour ça, maman, elle te veut tout le temps du poisson parce que c'est très bon. Dis quoi, moi, maman? Je t'ai dit, mange le poisson, comme ça, tu deviens un rajol. Ok, mon corps? Il va pas vite. Kaysen, regarde, Kaysen, il a tout mangé son assiette. Mmh. Oh là là, comme c'est trop bon le poisson. Ah. Une tuerie. Moi, les filles, après manger, il me faut du sucre. Toujours, les filles, sinon, je suis pas bien. Vous savez, c'est comme les fumeurs, gens qui fument ou qui sont accros au café. Si genre, ils en mangent pas, enfin, ils ne fument pas, en vrai. Ils sont pas bien, les filles, sur limite, ils traînent. Moi, les filles, c'est ça. Donc, j'achète du chocolat noir. Je me prends un carré et c'est bon. Je jure, les filles, je suis à deux doigts de me commander des fringues, de manger du chocolat. Mais franchement, les filles, on se motive. Du coup, un petit carré de chocolat. Et Inch'Allah, que je tiens le coup. Je sais pas que j'aille dormir. Je me faire un thé après. Après, je me pose devant la tête, je me fais un thé. Je pense que ça va vraiment caler. Mais là, le chocolat. Ah, c'est pas bon, mais c'est sucré, c'est du chocolat, donc ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon cerveau. Il sera quelle heure chez vous? Il sera 7h. Et Asuka, elle est à la maison. Oh, on y passe à l'heure, les filles. On a moins de 3 heures. Il sera quelle heure chez vous? Il sera 7 heures. Et Asuka, elle est à la maison. Oh, on y passe à l'heure, les filles. On a moins de 3 heures. Il sera quelle heure chez vous? Il sera 7 heures. Et Asuka, elle est à la maison. Oh, on y passe à l'heure, les filles. On a moins de 3 heures. Il sera quelle heure chez vous? Il sera 7 heures. Et Asuka est à la maison. Alors pour celles qui ne savent pas c'est quoi un Rajel, en fait je vous explique, c'est la ref à Imran. En fait Imran, vu qu'il a un accent English les filles, quand il parle arabe, eh ben il a un accent English. Ça veut dire qu'en fait quand il va dire... Comment dire Rajel Imran? Vas-y. Un Rajel. En fait il dit Rajel parce qu'il a son accent English. Comment on dit? Attends, je vais te donner une tréha. Je vais donner une grosse tréhée. Tréhée, vous avez vu les filles comment ils parlent? Comment on dit un brushing? Je
Je vais te donner une grosse toile avec une grosse nuit. Comment on dit un brushing? Un brushing. Vous avez vu les bébés? En fait, il a un accent anglais du coup. Non, mais regardez quand je dessine. Ça me fait rire, je vous jure. Regardez, la mère Amaran, elle lui a acheté quoi? Elle t'a acheté quoi d'autre aussi, mon cœur? Mamie, elle t'a acheté quoi? Elle m'a acheté les maillots de l'Algérie, les camis. Elle t'a acheté plein de trucs. Elle m'a acheté ça, là. C'est mamie qui t'a acheté ça, mon cœur. Alors, pour celles qui savent pas, c'est quoi un Rajel? En fait, je vous explique. C'est la ref à Imran. En fait, Imran, vu qu'il a l'accent anglais, ça veut dire qu'en fait, quand il va dire... Comment on dit Rajel, Imran? Vas-y. Un Rajel. En fait, il dit Rajel parce qu'il a son accent anglais. Comment on dit? Attends, je vais te donner une treha. Je vais donner une grosse treha. Treha, vous avez vu les filles comment ils parlent? Comment dire brushing? Je vais te donner une grosse treha avec une grosse nuit. Comment dire lit? Hyper sucré, hyper fruité. Et franchement, je l'aime trop. Genre vraiment, il tient super longtemps. Le packaging, il est trop trop beau. Et vraiment, il n'y a que sur le site que je partage que vous allez l'avoir à un pas cher. Et vous allez le trouver déjà parce qu'il est introuvable ici, ok? Après, celui-là que je partage tout le temps. En fait, celui-là, les filles, c'est le dupe exact de celui-là. Celui-là, les filles, c'est un parfum de niche. C'est la marque Parfum de Marley. Il est trop cher. Il est super cher. Franchement, il coûte 300-400 balles. Celui-là, l'essai va vous revenir à 25 balles, 30 balles. Genre vraiment, la différence de prix, elle est énorme. Sachant que c'est exactement l'essai, la même odeur, la même tenue, la même tout. Je ne pas casing, c'est pas le même. Mais sinon, c'est le même. Et comme je dis, vous allez trouver sur son site. Donc pour celles qui veulent l'acheter, qui veulent le sentir ou quoi, bah, l'essai, c'est le dupe exact. Exact. Après, il y a celui-là, l'essai, le Xiao. En fait, celui-là, l'essai, pareil, c'est le dupe du Kylian. Donc je vous disais mes stars, sur le site, comme je disais, elle vend des parfums de Dubaï. Donc comme le Yara, comme celui-là. En fait, il y a plein de parfums qui sont pour hommes et femmes. Mais aussi, il y a des dupes comme celui-là, le Xiao et le Soy. C'est exactement la même senteur, les filles, que le Love Don't Be Shy de chez Kylian. C'est exactement la même odeur, les filles. Sauf que pareil, les filles, que celui-là. Il coûte 300-400 balles. Et sur son site à elle, les filles, il est vendu 25 euros. Avec mon code promo. Franchement, les filles, je trouve que ça vaut grave le coup. Et que vraiment, si vous voulez, que vous voulez pas forcément mettre autant de sous dans des parfums, que ce que je peux comprendre, vous avez des dupes. Et vraiment, ces parfums, ils sont vraiment pas chers. Et livraison hyper rapide. Elle vend aussi, vous savez, les noix de pécan là, de Dubaï. Il y a plein de choix sur le site. Il y a plein de parfums. Voilà, il y a plein de trucs. Donc, franchement, les filles, je vais vous mettre mon code promo là. Vous pouvez foncer les yeux fermés, les filles. Vraiment. Et voilà.